dans l'épisode précédent. On a pour un petit LVDG numéro 3, les frérots. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de celui-là, là? Le Gumotex. On va à la boulange, on va se demander un petit sandwich. La boulange, elle me dit jamais non. Et on a oublié de prendre des assiettes. Regarde, mec, c'est là qu'on préparait l'assiette à Adji. Regardez, les frérots. Le peuple. Mate ça, mon frère. Il n'y a que aux Caraïbes que tu trouves ça dans l'eau. Des tomates. T'as vu, c'est bizarre, non? C'est vrai que c'est chelou. Bah oui, d'habitude, c'est des poissons quand on est en France. Et là, tellement qu'il fait chaud, c'est des tomates qui poussent. Et en plus, ils sont déjà coupés. Ouais, déjà coupés. Ouais, c'est quoi ce délire, regardez. J'ai chopé une tomate, les frères. Elle est encore vivante. Ça chope la tomate, t'as. Et Gogol, allez là, allez là. Allez là. Il y a de juif, toi. Carrément. Allez là. Putain, je la touche. Mais juste là. Tu peux la choper. Là, tu peux la choper si tu vas tout doucement. Pêche à la tomate, mon frère. Regarde, tu l'as ouvert. Ouais, je refais voir. Là, tu l'as ouvert souillé. On aurait cru qu'il avait eu un cicateur. Ah ouais, j'étais à moi qui... Oh non, regarde. Le mec, il l'a ouvert souillé. Ça faisait un ciseau, quoi. C'est comme ça, quoi. Tu me donnes, tu peux pêcher la tomate. Bon, regarde, gros. Vous arrivez à les écarter beaucoup? Ah, je suis le seul youtubeur qui fait des vidéos sur ses yep, hein, quand même. Quel autre. Tu viens de prendre monseigneur bientôt, oui. Un coup de boulon. Mat ma gueule, je sais pas si tu le vois. Là-bas, le deltaplane, c'est la deuxième, troisième fois qu'ils font ça depuis tout à l'heure. Le deltaplane, il atterrit carrément dans l'eau. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de zoomer dessus, regarde. Boum. Il atterrit carrément dans l'eau, le mec. Avec ses parachutes. C'est chelou, quand même. Après t'as le bateau, il vient le chercher, mais carrément il béton dans l'eau. Si je t'énerve, pourquoi tu me parles? Si t'aimes pas, pourquoi tu cliques? Si t'es jaloux, gros tocard, c'est qu'il y a vraiment plus de logique. What's up les potes? Nous revoilà. On est où? On est au milieu de nulle part, les frères. Regardez, c'est pas magnifique? On était juste derrière moi, si vous voyez. Wen, elle est là-bas. On a pris le petit kayak, je suis avec Max la menace, les frères. Big up à lui. Yo. Yo. On va aller sur l'île là-bas, les frères. Les îles, elles sont abandonnées. Normalement, tu peux y aller que par les voies navales, comme on dit. Donc, on va aller faire un petit tour sur l'île. On va voir comment ça se passe, les frérots. J'espère que j'ai pas dépassé les 12 minutes, parce que sinon, ça va faire un peu trop long. Comment vous trouvez les petits LVDG, la famille? Dites-moi si vous aimez bien, dans les commentaires, faire des petits tours de kayak. Moi, sérieusement, le kayak, j'adore. Marquez-moi dans les commentaires. Si vous êtes du genre une tapette dans l'eau ou peine tapette avec un hashtag tapette dans l'eau, hashtag pas tapette. Moi je suis pas tapette mais j'aime pas mettre mes pieds au fond de l'eau de moment quand je sais pas ce qu'il y a. Les LVDG les frérots, je voulais vous demander si des moments ça vous dérange pas que vu que la dernière fois j'avais fait un LVDG qui durait super longtemps, de vous faire des LVDG plus courts. Genre là aujourd'hui on va dire que je devais aller faire du kayak et voir l'île. Si je vois que genre je vais faire du kayak et je vais voir l'île et que ça dépasse les 12 minutes, si vous êtes ok ou pas ok pour que je coupe les trucs, je vous fasse voir un autre épisode et tout. Parce que le premier LVDG que j'ai vu, ça fait, que je vous ai envoyé, ça fait 25 minutes le frère. Je trouve que c'est énorme 25 minutes. 10 minutes ça passe bien. Hein? Non je crois pas que c'est profond. Hein. 10 minutes ça passe, 12 minutes ça passe, mais au-dessus. La pagaie. La pagaie elle y va. Ouais bah c'est profond. Elle est tout en dessous de l'eau là. Bah nickel, la pagaie elle y va. De moment je vais mettre le capot les frères parce que j'ai pas mis le capot de la GoPro, là je l'ai pris en normal. Donc je vais mettre le capot, je vous mettrai dans l'eau. Je vais essayer de garder parce que je vois que sur la GoPro il y a marqué 5 minutes 50. De garder quelques petites minutes pour qu'on est sur l'île. Sur ce, on se dit à toute la famille. Allez, regardez où qu'on est. La belle Wen, elle est là-bas. Salut, salut. V2 Srime. Vacances. Sortez lunettes, y'a le soleil, poteau, enfin les vacances. Plus besoin de faire sonner le réveil, on se pose dans le sud de la France. La mer, le sable, les transats, les cocktails sont de la partie. Les glaces, les sodas, tout ça, une année bien aboutie. On se met bien toutes les vacances, c'est le moment de sortir le blé. La musique résonne tellement que la sono se met à vibrer pour... C'est bon les frères. Max il fait sa sieste, il a bien raison. On est parti de tout là-bas. Maintenant regardez derrière moi.
Il y a la petite île là qu'on a envie d'aller avec Max. Et t'as la petite île là qui est un petit peu plus pourrie, tu vois. On va voir. Nous on va aller sur l'autre île les frères. Là on fait une petite pause parce qu'on a quand même fait pas mal de route en du Max. Ah ouais. Donc il y a des gens qui sont en train de gueuler tout là-bas. Même pas un petit quart. Regardez comment c'est posé. On est royal les frères. J'espère que l'épisode de celui-là là, le LVDG, il va pas être trop long. Regarde, il a au-dessus de l'eau. Sinon je ferai un coupage. Ah ouais, regardez les frérots dès que t'as plane. Qui va tomber dans l'eau. Que je vous ai essayé de vous faire voir tout à l'heure, mais je sais pas si vous voyez. Bon allez. C'est Dominique. Nous on y retourne les frères, direction l'île. Dominique. Désolé pour le rototose parce que j'ai bu un coca. A toutes. Il réglait la famille. C'est bon. Regardez. On est juste... on va aller dans celle-ci après, elle est mieux. Il y a un mec jaune là-bas, je sais pas ce qu'il fait. Regardez ces brodes à côté de l'île les frérots. Comme il disait Max, ça a fait un petit peu flipper, on dirait un peu île abandonnée quoi. Je sais pas ce que vous en pensez les frérots, je vais essayer d'amarrer. On va essayer de marcher dessus mais. T'as vu Max, à mon avis, c'est pas coupé ni rien, il n'y a pas de passage, t'as vu. Il y a que des arbres partout. Ouais moi j'ai pas mes chaussures. Par contre là-bas c'est blindé de cygnes. Il y en a au moins 100 les frères. Ah ouais ils sont remplis de ouf. Non je pense peut-être pas qu'on va aller sur celle-ci les frères parce que vous avez vu j'ai pas mes chaussures. Et ils ont l'air d'avoir des ronces et tout, il n'y a pas trop de passage. On va laisser. Bah, laisse-moi aller faire un tour de seconde. On va laisser l'eau d'eau. Celle-ci, tu peux prendre en vidéo. Hein. Après il y a encore celle-ci, on les a déjà fait. On va aller dans celle là-bas les frères. Et on va regarder ça. C'est bien de faire des petites vidéos l'été où qu'on visite les îles, non? Ouais. Les îles différentes. Qu'est-ce que vous en pensez les frérots? Marquez-moi déjà dans les commentaires si vous trouvez que cette île-là vous fait vraiment un petit peu flipper. Moi je suis pas une tapette, je m'en fous. Et Max il m'a dit que ça lui faisait penser à une île de l'horreur. Si le LVDG se coupe comme ça la famille, c'est que tu verras la suite dans le prochain LVDG. J'ai dit que 12 minutes, coupage, la suite dans l'autre pour pas trop vous polluer. Et vous mettez 20 minutes de vidéo, 25 minutes parce que c'est dégueulasse et je suis pas fort au montage. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on passe ça cet été. On prend le kayak, on fait voir l'île avant à quoi ressemble. Et on y va en kayak, on y va avec la caméra bien remplie pour que je fasse une belle vidéo d'au moins 10 minutes. Et je prends un petit drone pour faire une petite vue aérienne. Marquez-moi hashtag Robinson Crusoe si vous voulez qu'on fasse ça. Si vous me dites hashtag Robinson Crusoe, je vous promets que je vais vous faire toutes les petites îles qu'il y a là. Les îles près de chez moi, les îles dans les autres pays, je veux dire. Dans les autres villes et tout, je vais faire toutes les îles, voir si on trouve des trucs chelous dessus. Allez, à tout de suite les frères, parce qu'il me reste 1 minute 50 de vidéo. Je vais essayer de vous la garder pour vous faire voir l'île. Bonjour les frères, si ça se coupe comme ça. Prochain LVDG les frères. Énorme dédicace à mon frérot, Jean Moule. Bah voilà les potos, là on est sur l'île, c'est un peu la merde, je sais pas si vous le constatez, il y a des orties partout, c'est un petit peu le bordel pour passer quand même Max, non? J'avoue. Bah ouais, ça se voit que t'avais dit que c'était une île de l'horreur, si vous voyez que ça dure que 1 minute les frères, c'est comme je vous avais dit, je n'ai pas beaucoup de batterie, enfin il me reste pas beaucoup de mémoire, je vous avais dit j'ai que 25 minutes, 20 minutes, et là j'ai pas mes chaussures, même Max il a pris les siennes ça va, mais regardez c'est le bordel, même là regardez il y en a encore. Je vais essayer d'avancer. Sur ce, les frérots, c'est la vidéo à ce coup comme ça. Je vous dis merci d'avoir regardé l'LVDG. LVDG prochain, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas de me dire si vous voulez qu'on fasse des petits urbex ou des petites escapades comme ça, les frères. Ah ouais, des urbex, moi j'en reviens dans des bâtiments. Ouais, voilà, les urbex avec Max dans des bâtiments, les frères. On devra dormir. Ouais, sois pas sûr. Des urbex dans des petits bâtiments, les frères, ou visiter les îles, comme on avait dit, avec le drone et tout. Voilà, les frères. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Gros big up à Max. Ouais, bonjour. Gros big up à vous tous. Voilà les frères. Allez, bonjour les frères.